Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo que je suis archi contente de vous faire parce qu'à l'heure où je la filme, c'est très bientôt Noël. Je sais qu'à l'heure où la vidéo elle sort, c'est plus Noël, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail, on s'en fout. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que je vais à Lille avec ma soeur. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous filme des vidéos, c'est parce que je vais à Lille voir son appartement parce que mes parents font les travaux depuis 2 semaines maintenant. Donc, on va aller voir l'avancée des travaux, mais on va surtout à Lille parce qu'on doit finir nos cadeaux de Noël. On est un peu dans l'urgence là pour le coup. C'est pour ça que je vous filme aujourd'hui parce que je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec nous dans notre petite virée shopping pour Noël, même si j'ai plus d'argent, mais bon. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont dans la même galère que moi en ce moment, c'est-à-dire plus de thunes parce qu'avec les cadeaux de Noël et tout, on sait qu'on est tous sur la paille, j'ai un bon plan pour vous. C'est un site de cashback qui s'appelle Letyshop. Déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est du cashback. C'est que vous allez récupérer un pourcentage sur la somme que vous avez dépensée comme achat sur un site internet. Là, en l'occurrence, Letyshop vous propose plus de 3000 sites internet partenaires. Par exemple, je trouve que les trois plus intéressants, c'est Booking, Stradivarius et Shein. D'ailleurs, sur Shein, vous avez 5% de cashback. Ce qui est trop cool chez Letyshop, c'est que l'inscription, elle est gratuite. Honnêtement, vous avez absolument rien à perdre. Vous avez tout à gagner, en fait. Le site, il est très sécurisé. C'est un des plus vieux sites de cashback qui puisse exister. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Letyshop sur mobile, donc sur leur application. Je vous montrerai un petit peu le fonctionnement de comment ça se passe et ensuite vous pouvez aussi le retrouver sur ordinateur. Donc ça c'est trop cool que vous puissiez avoir les deux à disposition. Vous avez du cashback boosté sur certains shops, donc par exemple habituellement sur Groupon vous avez 4,5% de cashback et là en ce moment le cashback passe à 22,5%, c'est énorme. D'ailleurs, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour faire mes cadeaux de Noël. Dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien et donc si vous inscrivez avec ce lien, vous avez 30% en plus sur le pourcentage de cashback pendant une semaine. En gros, vous passez en premium pendant une semaine. Et ça fait beaucoup des maths et tout. Il vous faut pas atteindre un palier de 20€ pour récupérer votre argent, mais sur Letyshop, c'est 10€. Et ça, pour avoir déjà testé d'autres sites de cashback, je sais que j'avais pas du tout apprécié le fait qu'il fallait attendre un seuil de 20€ parce que j'ai jamais récupéré mon argent. Tandis que là sur Letyshop vous pouvez récupérer votre argent hyper rapidement et hyper facilement. Bah voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce bon plan vous plaît. Dans moins d'un mois c'est les soldes, pensez-y. Parce qu'en fait vous avez vraiment rien à perdre, c'est ça que je trouve trop ouf. C'est que c'est gratuit mais t'arrives quand même à récupérer de l'argent, je trouve ça énorme. Enfin bref, moi j'ai terminé de parler donc on va pouvoir partir à Lille de suite. Parce que là il est 10h30 et que ma soeur m'attend. Bah c'est parti quoi, on y va. Bon là pour le coup mon outfit c'est très j'allais dire très Mimi Air, mais absolument pas, c'est pas du tout comparable. Petit manteau comme ça, c'est un Pimkie qui était à ma mère et je pense qu'elle a dû l'acheter il y a déjà pas mal de temps. Mon top c'est mon top blanc naked côtelé. Pour ce qui est du short en simili cuir, c'est un Zara que j'avais acheté l'été 2019. Mon petit sac c'est un sac naked. Pour mes chaussures ce sera mes petites bottines noires, toujours naked. Et dans les rues de vagabond, j'ai tout gâché, cette fois sur un avant. Il est déjà 13h, on vient de terminer de faire tout ce qu'on avait à faire dans Euralille. Je vous ai pas beaucoup vlogué parce qu'il y avait beaucoup de monde et on a essayé de se dépêcher parce qu'il y avait trop de monde. Là on va aller se garer à la citadelle et après on va aller rejoindre mes parents à l'appartement de ma soeur pour voir l'avancée des travaux et surtout pour aller faire réchauffer nos pasta box. D'ailleurs je me suis acheté des bracelets comme ça chez Primark tout à l'heure. Je vous montrerai ce que j'ai acheté en rentrant à la maison. Tout à l'heure on s'embrouillait avec des gens parce qu'ils voulaient pas nous laisser passer, donc on s'est fait engueuler par ceux qui voulaient tourner l'autre côté. Vraiment la circulation à Lille c'est une connerie hein. Et les gens qui sont pressés là j'en peux plus. We are arrived in paradise. Non je rigole, on est juste arrivé au parking. Là il est 16h05, on s'est arrêté au Starbucks. J'ai pris un Toffee Nut Latte je crois, c'est leur boisson de Noël. Ma soeur aussi a pris ça, qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas mal. C'est pas mal. Là on s'est arrêté genre 5 minutes pour faire des photos pour Insta. On a été au printemps, on a été chez Swarovski et après on a été à la boutique du LOSC aussi pour aller acheter un maillot de foot pour mon père pour Noël. Et là du coup on cherche un cadeau pour notre mère. C'est la première fois en 16 ans qu'on a le cadeau de mon père avant d'avoir le cadeau de ma mère. Le cadeau de ma mère est toujours prévu depuis le mois de novembre habituellement. Papa on sait jamais quoi faire et là au final on a trouvé une bête d'idée pour mon père. On lui a acheté plein de cadeaux. Donc du coup on va essayer de se creuser la tête pour trouver une idée parce que là c'est pas tout ça mais Noël c'est dans 4 jours. Enfin, on est même pas sûr de fêter Noël alors qu'il est actuellement. Bon bref, du coup là on va partir à la quête d'un cadeau. On n'entend plus. De ma soeur. Du coup là on a laissé mes parents, ils sont encore en train de travailler, il est quelle heure? Il est un peu plus de 18h30. Du coup là on retourne à la voiture parce qu'on doit aller chercher à manger pour ce soir. Bah là on va rentrer à la maison aussi surtout mais bon bref. La lumière elle est encore plus dégueu comme ça. Bon et je suis rose parce que j'ai allumé mon néon rose. Et avant de commencer mon haul, je voulais juste préciser, n'achetez pas les collants chez Primark. C'est la deuxième paire de collants que je mets en 2 jours et c'est la deuxième que je craque. Pourtant je fais rien avec. Bon là je vais vous faire mon petit haul. On commence tout d'abord avec Hollister. J'ai hâte de l'essayer parce que du coup je l'ai pas encore essayé. C'est ce petit pull bleu, comme ça il est bleu pastel avec fermeture, col. J'adore ces pulls là, j'en porte énormément. Je vole tout le temps ceux de mon père. Là il y a le petit logo tout simple. C'est un taille S. Ah, il est large comme j'aime. J'adore. J'adore les pulls comme ça. En plus c'est trop confortable. Bref, il m'a coûté 45 balles. Super. Ensuite on est passé chez Primark. Je me suis acheté le lot de bracelets, je vous ai montré dans la voiture tout à l'heure. Et je le trouve super joli. Je trouve qu'il fait grave l'illusion des Dior. Donc écoutez, plutôt pas mal pour 4€. Ensuite je me suis acheté un nouveau pull de Noël. Il est trop drôle, j'ai trouvé chez les hommes. On a Homer Simpson, je l'ai pris en M, histoire de dire qu'il soit bien loose. Et au lieu de 20€, il m'a coûté 10€. Donc ça c'est pas mal. En vrai là ça va, j'ai pas trop dévalisé Primark comparé à d'habitude. J'ai des faux ongles, oui je sais, je suis retombée dans mes travers. J'ai vraiment envie d'arrêter de me ronger les ongles, là c'est une catastrophe. Donc ça commence évidemment par les faux ongles. Et là j'ai pris une couleur plutôt pas dégueu. Ils sont un peu gris, marron, très clair, je sais pas trop. Et ensuite en dernier accessoire j'ai pris ces scrunchies. Genre ils sont en velours comme ça. Et je trouve que c'est vraiment adorable. Ensuite je suis allée chez NYX, ça faisait super longtemps que j'avais pas été chez NYX. Et là je me suis acheté 3 trucs et que des trucs pour les lèvres. Premièrement un crayon qui est censé aller avec un rouge à lèvres et il est en teinte canne. Et là du coup j'ai le rouge à lèvres suède mat et en teinte canne aussi. Du coup je vais essayer les deux ensemble pour voir. Et ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, c'est le soft matte lip cream. Et du coup celui-là je l'ai pris en teinte Sao Paulo. Oh il est beau, on va pas du tout voir la bonne couleur là mais... Je suis allée chez Lush et je me suis encore acheté des bombes de bain. J'ai pris une bombe de bain qui s'appelle TikTok. Du coup, je trouve ça archi drôle. Et elle est orange avec plein de paillettes. Et après, j'ai un pain moussant, c'est le Candy Cane. Et je l'ai trouvé trop beau. Je crois que je les ai payés 5,95€ tous les deux. Puisqu'au final, j'en ai eu pour 11€ et quelques. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai acheté pour moi. Bon, allez, à demain. Bon les gars, on va se finir cette vidéo maquillée comme je ne sais quoi par une petite wishlist parce que vous êtes plein sur Insta me demander ce que je demande à Noël. Je sais que quand cette vidéo sort, Noël s'est passé déjà. Je peux quand même vous balancer les idées que j'ai. Et par rapport à mes cadeaux de Noël, est-ce que j'en ferai une vidéo? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Bon, il faut que je retrouve ma wishlist. Parce que je sais pas où elle est. Oh, elle est là. Perfect. Oui, ça c'est mon nouveau pull préféré d'ailleurs. Je le kiffe. Bon, on va déjà commencer par des choses que je n'aurai pas. C'est-à-dire 3 trucs. J'ai mis un collier Jean Van. Je l'ai mis parce que ma mère m'a dit de le mettre. Mais je sais que je l'aurai pas parce que plus de 300€ pour un collier. Ou c'est juste un fil noir avec 2 menottes. C'est quand même... abusé, donc honnêtement je l'ai mis pour dire de le mettre mais je sais très bien que je ne l'aurai pas. C'est un investissement, je sais que je le mettrai mais j'aimerais pas mettre ce prix là dedans. Deuxième truc que j'aurai pas c'est des LED, mais ça si je les ai vraiment pas je vais me les commander parce que ça fait au moins 1 an que j'attends. Sauf que je vous explique, mon père ne veut pas que j'en mette parce qu'il a peur que ça brûle dans ma chambre, sauf qu'il ne comprend pas que des LED ça ne chauffe pas. Genre il y a des influenceurs qui ont ça dans leur chambre depuis 1 an et demi, qui les allument nuit et jour, ils ont toujours pas pris feu leurs LED, donc pourquoi dans ma chambre je ne sais pas. Mais du coup je pense que je me les commanderai même s'il veut pas. De toute façon il vient jamais dans la chambre donc il le verra pas. Et ensuite troisième truc que je sais que j'aurai vraiment pas à Noël, c'est pas quelque chose qui m'est essentiel vraiment, c'est pas quelque chose que je vais pleurer pour avoir, c'est un iPad. Mais j'ai bien précisé sur la wishlist, un iPad premier prix. Je veux pas l'iPad Pro à 1500€ que ma sœur a eu à son anniversaire parce que bah déjà c'est excessif, en fait elle c'est pour les cours. Si je veux un iPad c'est pour faire mes designs sur Adobe pour mes vidéos, genre mes petits textes qui bougent et tout, je les fais là dessus. Et ensuite si je veux un iPad c'est aussi pour pouvoir faire mes fiches de cours. Ensuite j'ai mis
mis la paire de chaussures que tout le monde a mais que je veux depuis le mois de mars, voire même avant. Mes parents qui sont allés à Lisbonne juste avant le confinement, ils sont rentrés une semaine avant le confinement en France je crois, ils se sont achetés des paires de chaussures là-bas et ils m'ont montré des paires qu'ils trouvaient super jolies, et il y avait ces chaussures là, c'est les Nike Blazer, je ne sais pas. À ce moment-là, personne ne les avait, vraiment personne ne les avait, je les avais vues nulle part. Et à ce moment-là, j'hésitais entre m'acheter cette paire d'Air Jordan ou du coup cette paire de Nike Blazer. Et mon choix a été vite porté sur les Air Jordan parce qu'à ce moment-là, pareil, personne n'avait cette paire-là. À la rentrée, je pouvais m'acheter une paire de chaussures comme tous les ans. Et encore une fois, j'étais face à un dilemme, c'était soit les Blazer, soit mes Converse blanches montantes. Ça fait tellement longtemps que tu veux tes Converse à plateforme, tu vas prendre les Converse à plateforme. Donc encore une fois, j'ai chanté l'idée des Blazers. Comme il n'y a plus vraiment deux paires qui me font envie, si, mais il y a une paire que je peux pas retrouver, c'est cette paire de Converse là. Donc si vous savez où je peux les retrouver, parce que je les trouve magnifiques, la couleur elle est incroyable, dites-le moi en commentaire parce que j'ai regardé, elles sont plus dispo sur Asos. Bref, tout ça pour dire que je voulais des Blazers. Ce que j'aime bien avec les Blazers, c'est qu'en fait elles sont découlées en plein de modèles différents. D'ailleurs, c'était très à la mode à une période, je crois que j'étais genre en CM2 ou en CM2, et j'avais déjà une paire de blazers. Faudrait que j'essaye de les retrouver sur internet. Attendez, je parle trop, faut que je m'hydrate là. Ah oui, en plus j'ai oublié de préciser, mais tout ce que je vous montre là, c'est la wishlist que j'ai fait à mes parents uniquement. Bon, du coup, parmi les trois trucs qui restent, premièrement, on a un coffret maquillage de chez Milk qui coûte 38€. Et j'ai vu plein de produits qui m'intéressent et que je veux tester depuis très longtemps. Donc voilà, c'est plutôt cool. Mon correcteur en teinte 190, j'ai le 150 qui est un peu trop clair pour moi. Et ensuite, j'avais le 190 qui était un peu trop foncé. Sauf que quand je fais le mélange des deux, c'est la teinte parfaite. Sauf que j'ai plus de 190, mais j'ai encore plein de 150. Donc du coup, ça fait 4 mois, je suis là, je racle le fond du 190. Les correcteurs Fenty, ce sont mes correcteurs préférés. Le nouveau gloss Fenty qui est sorti, elle a sorti plein de teintes. Mais là, je leur ai mis le Fruit Snacks, donc c'est le rouge. Super beau, si je l'ai pas à Noël, je me l'achèterai pas, je pense. Je sais que c'est pas la couleur que je porterai le plus. Honnêtement, là, dans tous les gloss Fenty que j'ai, ben, je les ai tous en fait. Ceux-là, c'est mes deux préférés. Vraiment, c'est les deux plus beaux. Bref, du coup, c'est tout pour ce qui est des idées que j'ai sondées à mes parents. Je pense que ma vidéo elle est assez complète. Je voulais faire un truc un peu chill et tout, petite wishlist, petit vlog shopping, etc. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.